design pour des bugs, pour des... Comment tu veux prendre du plaisir? Dès que tu prends du plaisir, ils te mettent une bitch slap dans la gueule. Ils disent non, 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 t'as pas le droit de prendre du plaisir sur ce jeu. Non, 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 on va te faire crasher le jeu, on va te le faire bugger, mais il faut surtout pas que tu prennes du plaisir dessus. Hein, sinon, c'est très mal, mal. C'est pas notre objectif premier, quoi. Vous voulez pas me filer une bagnole? C'est vrai que je peux en appeler une. Mais non, pas d'app. J'aurais besoin d'une nouvelle. Ouais, je l'amène tout de suite. J'ai ramené, j'ai pris la première bagnole qui passe. Oh, elle est pas si mal. Avec un petit moteur à l'avant. J'ai une caisse pour toi. Merci du coup de main. Il pleut que sur ma bagnole. C'est pas mal aussi. Ah, c'est pas mal aussi comme effet, il pleut que sur ma bagnole. Il pleut que sur ma bagnole. Putain, c'est tellement ridicule. Oh mon dieu, c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. C'est plus j'y joue, plus je me dis j'ai tout vu, mais en fait, non, non, c'est bon, le jeu il en a encore sous la pédale. Le jeu il en a encore sous la pédale. Salut Kojo! Je crois que tu me cherches. C'est le jeu qui me cherche, c'est pas toi. C'est notre ami commun qui m'envoie. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Mais l'ambiance, film d'espionnage, c'est un peu trop. C'est incroyable qu'ils aient réussi à mettre un 14, n'empêche, sur le jeu de programme. Ils méritent un 11, un 10, un 9, 9. Allez, 9 sur 20. Je suis sûr qu'elle a ses malignes pour 11, allez, 11, 11. Allez, en étant gentil, 11. Chester Moreau. De ce que j'ai pu découvrir, il semble financer sous Stern Union. J'ai découvert que ces connards de racistes étaient mouillés là-dedans. Apparemment, Rémi Duval serait leur grand manito. Quel que soit le réseau, il est caché, étendu, et il rapporte gros. Bien plus que ce qu'on pourrait imaginer d'un réseau de Frisco Fields. Le FBI s'y intéresse depuis un moment, mais personne ne parle. Fais-moi confiance. Si je mets la main sur l'un d'eux, il parlera. Je me disais bien. Ma seule autre piste, ce sont les planques de propagande de l'Union qu'on trouve dans le coin. Ça ne fait pas lourd, mais ça peut permettre d'attirer l'attention de personnes importantes. Ouais. Les caisses de Moreau vides et il va vouloir savoir pourquoi. Je reviendrai quand j'aurai quelque chose. Ouais, 9, c'est. Pas trop bavard ici. C'est incroyable. Incroyable. Le jeu, il est d'une médiocrité incroyable. Et le pire, c'est que je me tape quand même des rageux sur mes vidéos avec des mecs qui disent non, mais ta gueule, espèce de troll qui cherche le buzz. Le jeu, il est magnifique. Il est même meilleur que GTA V. Il est incroyable. Je prends un kiff d'enfer. Écoute, tant mieux pour toi, mais. Et pourquoi il pleut que sur ma bagnole? Je crois qu'il y a un problème d'éclairage en fait, et comme c'est éclair, ma bagnole est éclairée différemment par rapport du reste, donc c'est super chelou. Ouais, ils sont deux. Ah ouais, ils sont. Ah non, non, ils sont pas que deux. Oh là, non, ils sont pas deux. Ils sont quatre. Non. Putain, il est pas mort! Il est mort. Il est où l'autre? Elle est où l'autre? Non, la civile, t'appelles pas la flic. On n'a pas le droit. Mais non. Regarde, je suis. On m'oblige à être un criminel pour pas être en merde. Tu détruis la moitié de la population de la ville. Alors que t'es un gentil à la base. Si tu veux vivre, dis-moi tout sur les opérations de Chester Moreau. Monsieur Moreau fait bosser des gars de Stern Union sur un coup à lui. Un truc énorme. Je l'avais pas préco. Graphiquement, ça vaut la old gen. Tu m'as parti. Et encore. Et encore. Jette un œil dans le rétro quand je conduis une bagnole. Ça vaut la old gen. Ça vaut la old gen. C'est l'arrière-grand-père de la gen aussi.
Oh merde. Je me curais le nez. Et encore les mêmes missions en boucle, 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 en boucle. Il y a personne qui s'est dit dans les développeurs, c'est peut-être un peu redondant ce qu'on est en train de faire là, ce qu'on propose aux gens. Non, tais-toi, tais-toi. Ouais, c'est vraiment des gars du Ku Klux Klan, ils ont genre des cagoules et tout. On est gentil, on t'offre une seconde chance. Oh ta gueule. Voilà comment on traite le Ku Klux Klan. Je l'ai bien aimé cette phase. Je trouve que je me suis bien démerdé. Ouais, elle était jolie, elle était presque cinématographique et esthétique. Mais bon, heureusement que je suis là pour mettre des choses en scène parce que le jeu, il offre rien du tout de lui-même. Attends, après je vais où moi du coup? Le pire c'est Tony Hawk Pro Skater 5 quand même, ensuite celui-là. Ah ouais, Tony Hawk Pro Skater 5, oh là là, c'était... J'avais l'impression de revenir sur 64, c'était waouh. Merci pour le follow Razui, mais c'était vraiment énormissime. Ah, il y a l'air d'avoir un peu plus de monde ici. Ah oui, même beaucoup plus de monde. Il y a l'air d'avoir beaucoup plus de monde ici. Oh, jolie la tuture. J'ai essayé de la prendre si j'y pense, si je meurs pas entre temps. C'était quoi ça? Et voilà, ça bug parce que je suis dans les escaliers. Oula, oula, il y a un peu beaucoup de monde là. Et disons que la technique d'approche est pas terrible. Je vais pouvoir me faire choper par plusieurs flancs. Ouais. On va essayer de faire le tour avant. Il y en a de la belle caisse ici. J'ai plus mon silencieux, je parie, ben non. Bon. Il est temps de passer à la phase B. À plat ventre. Hey, hey. À l'américaine, tu la veux ta putain de démocratie? Je suis assez content, franchement, je suis assez content de moi là. Par contre, il y a encore 84 000 de dollars de... J'espère qu'ils vont... Que ça va baisser vite sur les prochains trucs.
Eh ben voilà, ça c'est de la belle caisse. Ah, il tente les reflets des nuages sur la carrosserie. Il tente le truc, hein, mais c'est pas ça. Alors ici comment ça se passe? Débarrassez-moi de cet enfoiré! On va finir par tous. Pourquoi je peux passer par la fenêtre? Oh, fichier. Comment ça, l'informateur s'enfuit? Il est là, l'informateur. Qu'est-ce qu'il me raconte? Si tu veux vivre, dis-moi tout sur les opérations de Chester Moreau. Le supermarché du Bel Air, qui se passe des trucs pas nets après la fermeture. Monsieur Moreau essaie d'être discret là-dessus. Je pourrais avoir besoin de toi. T'éloigne pas. Oh, j'ai un succès. Succès peu fréquent déverrouillé, 1%. Vous avez recruté 15 informateurs de trafic. Super. Et je suis encore à 79 000, hein, donc... Oh là là, cette mochetée de nuages. C'est quoi cette voiture de course qui se traîne comme un vieux taco quoi. Ça se trouve je suis pas obligé de faire les 79 000. Ça m'a l'air d'être ça. T'as bugué, c'est ça? Non, je suis obligé de faire les 79 000. Il me met venir là, mais y a rien. Ça se déclenche pas. Putain. Ah si, elle est là. Je raconte des conneries, elle est là. Sauf que l'objectif, il est sur la porte et pas sur elle. T'as appris quelque chose? Je les ai bien amochés, mais tout ce que j'ai eu, c'est un mot. Bel Air. Tu sais quelque chose, c'est évident. Moreau est l'actionnaire majoritaire du Bel Air. Dès que t'as commencé à t'en prendre à ces racistes, le téléphone s'est mis à sonner. Personne n'a clairement parlé du Bel Air, mais j'ai un horaire, 22h, et suffisamment de preuves circonstancielles pour établir un lien. Quoi que ça puisse être, ça aura lieu au supermarché, ce soir. Je vais aller voir ça. Écoute, Lincoln, ces trucs dont les gars ont parlé... C'est énorme et ça sent mauvais. Fais gaffe. Il faut absolument qu'on découvre ce que prépare Moreau et on n'a pas le droit à l'erreur. Compte sur moi, Jackie. Allez. Bordeaux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas croisé Donovan. Wouh! Merde, non. Cassandra m'a dit de vous appeler.
J'ai besoin d'aide avec les téléphones. Je vais me faire un plaisir de m'occuper de ça pour toi. Non, c'est pas ça. Elle est où la boîte? Elle est là. Attendez la tombée d'année. Okay. Dis-moi que ça va attendre tout seul. Hein. Je suis pas obligé de. Ah, c'est bon, il y a un banc. Ou une chaise, j'en sais rien. Enfin, je vais récupérer ça au passage. Voilà. Il y avait une chaise, hein. T'aurais pu rester à la chaise. Twitter. Comment ça va? Allez. Il est pas tout seul, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il soit tout seul. Être. Ils ont à peine commencé là-haut. De la part de Monsieur Moreau, Monsieur Marcano et Soucerne Union, je vous remercie d'être venu. Monsieur Moreau m'a demandé. Je vous rappelle que c'est un spécimen en parfaite santé. Il n'a ni blessure ni cicatrice. Il a été ausculté. Oh là, mais y en a du monde là. Monsieur Moreau en personne. Ah, pitié. Laissez-moi partir. Les enchères commencent à 1000 dollars. Qui a dit 1000 dollars? 1000 dollars. Est-ce que des racistes? 2000. Oh, pitié. Ah, ils vendent un noir. Non. 3000 pour monsieur au premier rang. 3000. 4000. Ai-je entendu 5000? 5000. Oh merde, grenade. Ah bah voilà, tous les racistes d'un coup, c'est pas beau ça? Alors, ça fait quoi? Chester a fait boucler les négros à Frisco. Maintenant, fais ça vite, espèce d'enfoiré! On sait beaucoup trop. Alors, j'ai sauvé les victimes du trafic d'êtres humains. Heureusement que les Blacks sont insensibles aux grenades. Blablabla. Alors ils vont monter par où? Dégage toi, cours! Pourquoi ils tirent? Je suis même pas là encore. Mais je suis encore à 56 000, c'est dingue. Et comment vous voyez avec vos sacs à patates sur la tête? Ok, il y a l'air d'avoir du monde. Je crois que je pouvais monter. Et je peux aller à droite, c'est ça. Je peux récupérer ça. Ah bah là, il y a du fric, tiens. Oh, à 3005, putain la vache. Il est même pas indiqué sur la carte. Le flouze. Alors comment je fais pour redescendre maintenant? Là. Mais sur qui vous tirez? Sur qui vous tirez? Je suis même pas là encore. Me dis pas qu'ils sont en train de se battre entre eux.
Ah, carrément, vous y allez à la grenade maintenant? Je sais toujours pas où est-ce qu'il tire, mais bon, il tire. Ah oui. Voilà, je pense que c'est bon. On suit. À sauver les victimes du trafic. Donc il y a un autre trafic autre part. Donc il y a plusieurs trafics. Ok. Ça, je trouve que je me suis bien démerdé. Quand ils sont à moyenne distance, longue distance, ça va. C'est dès qu'ils sont trop proches que ça devient assez vite chaotique. Ça se trouve, j'aurais pu passer par l'îlot. Putain, j'ai 28 000 $. Ah putain, je regardais mon truc. Avant d'aller à la prochaine, je déposerai mon fric. Sauf si je me fais tuer entre-temps. Tout simplement. Ah, il y a une vue intérieure, t'es sérieux? Comment j'ai fait? Oh! Il y a une vue intérieure! Ah ouais, il y a une vue intérieure. Ah bah dis donc. Il y a une vue intérieure. Genre, mais en mode tank, c'est un peu bizarre. Alors, mais il est... Ah oui, attends. Ok, bah c'est cool. Ah bah c'est cool, ça, une petite feature sympa. Bon. Ah oui, mais ils vont pas venir jusqu'ici. Si, elle va venir jusqu'ici. Elle. Je suis à Frisco avec trop de cash dans les poches. Tu peux venir jusqu'ici? C'est moi qui peux venir jusqu'ici. Là, il y a un arbre, il y a un arbre. Putain de gonzesse au volant. Je te débarrasse. Bonsoir, chérie. Oh là, attends, il va m'écraser. Oh putain, il va m'écraser. Oh putain, en deux créneaux, en deux mouvements le créneau. Oh là 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 là. Ok. Mais non, c'est pas... Mais non! Ah non, c'est bon, ils m'ont pas entendu. Par contre, je vais attaquer comment, moi, le bazar? Là... Ah oui, ils sont juste en train de se tirer la bourre. Ici, c'est une zone interdite. Merde. Ah oui, bah alors là, y a... La question... Question infiltration, on repassera. Question infiltration, on repassera. Il y a des souris ou quoi? Ah putain, des renforts. Barrez-vous! Parce que je vais avoir du boulot là.
quelqu'un. On a des comptes à régler maintenant. Bienvenue, je t'emporterai avec moi. Je vais lui faire sauter la gueule. Débarrassez-moi de lui. Tu es fou. Et voilà, il recharge pendant 3 ans. Ah bordel. Oh, Seigneur. Ouais, ça vaut le coup d'implorer le Seigneur maintenant, toi. Alors, je dois aller où? Putain, j'ai encore tout ça à faire. Ah oui, mais c'est vrai qu'ils étaient à 90 000. En fait, maintenant... Vu que sûrement, je pense qu'on approche de la fin du jeu, ce qu'il faut, en fait, les dommages avant, c'était 10 000 dollars, puis 20 000 dollars, puis 30 000 dollars, puis maintenant, c'est 90 000 dollars de dommages que je dois leur faire pour faire apparaître le boss du quartier. En gros, déjà que c'était super chiant, mais ils augmentent la limite de chien-lit. Ils augmentent la limite de chien-lit pour que ça soit encore plus répétitif que de la répétitivité elle-même. Mais bon, on va aller au bout, on va y arriver au bout. Salut Raza, salut Razouille. L'IA a l'air d'être la même, voire pire que celle du 2. Je dirais qu'elle est pire. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'IA. Si, il y a une IA légèrement, mais dans le 2, elle était cohérente. Tu tirais dans le public avait peur. Les flics, ils voyaient des ennemis, ils tiraient sur les ennemis, et pas sur toi, spécialement, sans s'en foutre des ennemis. Ou ils pouvaient te mettre des amendes. Là. Il est loin le truc à récupérer, ça doit être là-dedans. Ok. Ah putain, c'est dans un bunker le machin. Je pensais que ça allait être dans la maison. C'est dans un bunker. Ça roule. Je crois qu'on a des emmerdes. Ah, oh, t'as l'air badass avec ton balai. Bon, ça va. Oh, j'ai un succès. Vous avez tué 300 ennemis grâce à la neutralisation. Eh ben, dis donc. Bon, ça va. Ah putain, mais là par contre, il y a un poil beaucoup de monde. On se la joue funky, on tente un truc funky? Je vais t'écarteler. Je vais te dézinguer, enfoiré. Je vais ramener les gars ici. Ah, wow, wow. Ça va, c'était un peu moins funky que ce que je pensais que ça allait être funky. J'aurais pas dû venir ici. Peut-être des munitions pour moi, tiens. Super. Comme par hasard, il y a des renforts dehors alors qu'il a pas appelé les renforts. Bon, ça c'est pas grave. Ah, c'est bon. C'était la dernière. Je suis pas obligé de faire les autres. Ça aussi, c'est bien. On n'est pas spécial. Parce qu'il y en a d'autres, en fait. Oui, il y a d'autres missions secondaires qu'il faut qu'on pourrait continuer pour se faire plus d'argent. Mais en fait, ils se sont eux-mêmes rendus compte que c'était tellement répétitif et chiant
Au bout de deux, on peut valider la mission, on n'est pas obligé de finir tous les objectifs. C'est drôle. Je sais pas si je vais pouvoir passer ici. Si ? Oh, si, ça va le faire. On appelle Shredjan, ouais. Ouais, ça commence sérieusement à barder. Attention, un délit de fuite est signalé à Frisco Field. Le suspect serait un homme noir. À toutes les unités, veuillez intervenir. Yo, si tu devais noter le jeu sur 20, tu lui mettrais combien? 11 en étant gentil. 9 en étant sanctionné. Mais en étant gentil, je lui mettrais 11. Si au moins les missions étaient intéressantes, mais c'est ultra répétitif. T'as l'impression d'être dans le premier Assassin's Creed où toutes les missions sont exactement pareilles, strictement. Elle, c'est clair qu'elle va adorer ça, tu crois pas ? Alors on peut s'amuser, mais on peut s'amuser un peu, on peut y prendre un peu de plaisir, mais je te conseille vivement, si tu veux le prendre, je te conseille vivement de le prendre en occasion, 20€. 30€ grand max, mais ne l'achète pas neuf, là, il mérite pas neuf, il mérite absolument pas. Parce qu'en plus il est buggé de partout, il a des grosses tares techniques, c'est assez problématique. Et quand tu sais que le Mafia 2 était un putain de chef-d'œuvre, une pépite, c'est vraiment la tristesse de voir celui-là. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Hyperon, tu as ma parole. On pense qu'elle a fugué, je suppose. À toutes les unités, les recherches sont annulées. Je répète, abandonnez les recherches, retournez patrouiller. Merci pour le follow, Beckers. Merde! Putain, j'ai froid au nez. Qu'il est à 1h04. Bon, ça, j'ai encore le temps. Merci pour ton conseil. Hein. Après, ça reste que mon avis à moi. Si ça se trouve, tu prendras le jeu, ça sera le gros kiff de l'enfer que t'auras jamais vu. Faut toujours tester par soi-même et se faire son avis par soi-même. C'est un conseil que je te donne. Au moins, l'achète pas neuf parce qu'il mérite pas neuf. Voilà. Après, si le jeu t'intéresse vraiment, voilà, tu peux peut-être passer dessus en occasion. Mais pas neuf. Ma nièce a des envies de mariage. À peine 17 ans et elle veut déjà quitter le nid. C'est là ? Oui, et il y a l'air d'avoir énormément de monde. Mon fils ne veut pas raser. Il est tellement beau, ça. Quoi ça sert à cette porte si je peux rentrer par là et qu'il n'y a personne ? Là, tu... Monsieur Moreau offre $500 à celui qui truc typique de level design qui sert à rien, la porte ici alors qu'on passe de l'autre côté. Toutes ses armes. Il a crevé avant de comprendre ce qui lui arrive, cet enflure. Démerde-toi pour avoir des munitions. On n'a pas intérêt à sous-estimer ce connard. Oh putain, il y a du monde par contre. On va. J'ai les pare-balles. Ça va me servir. Parti à gauche ou à droite? On est dans une... Merde, il y a l'autre qui est juste à côté. Ah non, c'est bon. J'ai rien dit. Je pensais qu'il allait me voir, mais non, ça va. Il a vu ce qu'on leur faisait. Si est-ce que la populace s'intéresse
Par contre là, il y en a deux. Maintenant, garde un œil ouvert. Merde, il y en a un qui arrive, chier. Bon, bah, je crois que ça va démarrer là, la fusillade. Hein, mais il touche le sang, c'est la première fois que je vois cette animation. Ah non, ça va, les racistes sont sourds, en fait. Les Klu Klux Klan est sourd. Bon, avec son sac et patate sur la tête, il va pas me voir. Quoi ? Voilà, il est là. Il m'a pas entendu. Ah mon dieu, c'est ridicule. Je ferai tout ce que tu veux, mais me tue pas. Mais tout ce que je veux, c'est que tu crèves. Alors maintenant, on croise les doigts, vu que j'ai fini un quartier, on croise les doigts pour pas que le jeu crache. Parce que d'habitude, il crache à chaque fois. Armurier, plus de munitions, boost de vigueur et guérison, explosif supplémentaire, boost de vigueur et de... Sur PC, ils ont sorti un patch 60 FPS, parce que la 1080 qui arrive à 60 FPS, il y a encore des baisses d'FPS. Surtout que... Je compte pas me servir du coup. Pourquoi il y a des baisses de FPS? Pourquoi? Y a rien. C'est pas... C'est pas... Des putains de milliards de polygones dans tous les sens à gérer avec des effets de lumière de dingue qui te mettent ta carte graphique en PLS à la Forza Horizon 3, par exemple. Qui Forza Horizon 3 de l'autre côté est hyper bien, hyper stable à mort. Tu sais pas, tu comprends pas. Tu comprends pas. Putain, mais il marche mon chauffage? Ouais. Je trouve qu'il fait froid quand même. Salut Ibra. Le prochain code à Secret Code 4 perd 130 gigas. Ouais, à voir, hein, parce que le, je sais plus c'était quel code, c'était Black Ops 2. Il pesait genre 60 gigas et le feu c'était un vieux JPEG en 3 images secondes. En fait, ils se font plus chier, ils ne zippent plus. Les données. Ils ne les optimisent plus, les données. Ils se disent, ah, c'est bon, les consoles, elles sont assez puissantes. On va tout envoyer comme ça. Et ils ne mettent pas les sons en MP3, ils te les foutent en ultra wave décompressé. Donc, t'as des trucs de cinématique qui doivent faire 4 gigas. Parce que c'est en ultra HD. Et il n'y a plus aucune optimisation de fait. Donc on va voir s'il vaut vraiment ces 130 gigas. En flac, voilà c'est ça Raza, je me rappelais plus l'extension des trucs non compressés d'audio. Et ça c'est pour l'audio, hein. Après tout ce qui est texture aussi et tout ça. Mais aussi ça fait partie aussi du fait que les machines ont besoin de ça. Parce qu'en fait, la machine doit sous-traiter l'information qui est compressée, la décompresser, la faire lire par le cœur et la carte graphique, puis la retransférer pour l'envoyer vers la télé. Quand la texture n'est pas compressée, elle passe directement par le cœur et la carte graphique, elle est traitée et puis l'envoyer directement par la télé. Donc le processus, en fait, est beaucoup plus stable et simple.
Là, t'as l'impression que ça a été zippé en 7 zip et la console, elle sait même pas comment dézipper le bousard. Le bousin, il a dû... ils ont pas payé le... ils ont pas payé le WinRare. Ils n'ont pas dû acheter le WinRare sur la console. Du coup, c'est un merdier pas possible. 2,5 km. Eh ben, on y va. Aïe. Il y a un gros gros souci d'optimisation sur ce jeu. Parce que regarde, ça essaye d'être beau. Regardez-moi les magnifiques, cette magnifique villa en carton pâte. Sur cette magnifique étang pixelisé, sur ce magnifique ciel ciselé et pixelisé à mort. Non mais sérieux, je vais tech un screenshot sur Facebook, je vais mettre devinez de quelle génération de console ce screenshot provient. C'est horrible. C'est horrible. Alors mes yeux se sont habitués. Parce que là je dois être quoi? Je dois être à presque 20 heures de jeu je pense. Mes yeux se sont habitués. Je le prends avec le sourire et l'humour. Et quand je pense à ceux qui ont acheté ça à 90 boules en Ultra Collector, ou 140 je crois l'Ultra Collector. Et à côté t'as Forza Horizon qui est une pépite visuelle incroyable. Avec un contenu de ouf gueudin qui a été fait avec amour et tout. Qui mérite son prix, qui mérite son prix, qui mérite même de payer deux fois son prix. Et là... Aïe. Bon, Rémi Duval, ça va être un des derniers, une des dernières grosses pontes. Je pense que j'approche de la fin. Mais j'aurais pas le courage de faire les secondaires ou de faire les trucs comme ça. Après, je vais regarder vite fait les succès. Qu'est-ce qu'ils ont prévu dans les succès, histoire de rigoler un coup. Ah, après, le ciel de Forza, c'est sûr que ça pique. Oh mon Dieu, que ça pique de chez pique. C'est Picard et fils, le machin. Mais regarde-moi ça. Et encore, là, c'est un des ciels les plus beaux que tu pourras avoir dans le jeu. Ocarina of Time, sur 64, avait une plus belle skybox que ce truc. Allez Donovan, dis-moi que j'approche de la fin du jeu, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Ça mise à désamorcer une bombe. J'arrive. Bonjour, il y a combien de chapitres? Je sais pas du tout. C'est pas divisé en chapitres, c'est divisé en missions chiantes en fait. Tu peux calculer ça sous forme de chapitres. Je vais te montrer dans les menus juste après. Tu sais, il y a par lieutenant. Salut HB! Chapitre 1, j'achète le jeu. Chapitre 2, je le vends.
Bah, viens te défendre! Merci pour le follow raid. Voilà. Et là, il faut retaper encore des planques pour savoir où se planque Rémi. Donc, je vais devoir en faire deux pour avoir Rémi, pour pouvoir avoir le quartier. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, la même chose, tout le temps, la même chose, tout le temps, la même chose, tout le temps, la même chose. Ok. Trouver un diacre de la Southern Union. Ok. Elle est la matitine. Alors attends. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Voilà, dans les cibles. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 7, 8, 9 et le gros boss. Donc voilà, il m'en reste 1, 2 et le gros boss. Allez, courage, courage. Et je suis à peu près à 20 heures de jeu, je dirais. À peu près. Hein. Un peu moins de 20. Je sais pas. Y a pas un compteur dans les options? Après, il y a des collectifs dont on n'a rien à battre. Non, y a pas d'heure. Mais là où Forza Horizon 3, j'ai fait 5, je suis ensuite à 51 vidéos, donc il y a plus de 50 heures de jeu que j'ai absolument pas vu passer. Là, ce mafiage, j'en peux plus. Je vois les heures passer et enfin je vois pas les heures passer. Enfin, j'ai l'impression d'avoir joué pendant une heure et en fait je me rends compte que j'ai joué pendant 20 minutes et j'ai l'impression que ça avance pas, quoi. J'ai l'impression que ça avance pas. J'ai l'impression d'avoir plus joué à ce Mafia 3 qu'à Forza. C'est chaud. Mais dans le 2, il y avait tellement de... Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'aller sur YouTube et de chercher Mafia 3 versus Mafia 2. Il y a un mec, il a fait un comparatif de tout ce qu'il y avait dans Mafia 2 qu'il n'y a pas dans Mafia 3. Et c'est assez drôle à voir. C'est assez drôle à voir. Ah tiens, il y a HB. Hello. Hello. En même temps qu'il trouve son micro. Hello. Alors, il marche le groupe d'amis ou pas? Attendez, pouce. Ah, tu m'entends. Ah, ça met du... Ça met du... T'as fait inclure ton audio? Voilà. Oui, oui, t'inquiète, j'ai toujours le réflexe. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi, HB? Non, rien, c'était pour dire bonjour, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de voix dans tes cinématiques, donc c'est pour animer. Et ouais. On peut voir tes heures de jeu, mais sur l'appli, tu sais... Ah oui, sur l'appli de la Xbox, ouais, sur l'appli Xbox, ouais. Ouais. Imagine, ouais. L'appli, elle est mieux foutue que le jeu. Ouais. Ah non, mais... Enfin, tu verras, toi, t'es encore au début du jeu, mais tu verras, tu te rendras compte au bout de... Allez, 4 heures de jeu, peut-être, que c'est tout le temps la même mission que tu fais en boucle. Tout le temps. Bah, Watch Dogs, c'était ça. Ouais, mais t'avais des trucs différents. T'avais un peu de filature, t'avais un peu de mission, t'avais un peu d'infiltration, t'avais un peu de course-poursuite. Et les filatures, ça casse les couilles à tout le monde. Ah oui, c'est clair, ça, c'est totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Ça, là-dessus, je suis totalement... C'est un jeu entier qui te casse les couilles. Hein. Ça, je suis totalement...